La fête de novembre, c'est une fête toute particulière qui revêt une signification tout aussi particulière dans la mission de Bonhomme. Parce que c'est la seule fête dans laquelle nous célébrons tous les acteurs de la mission de Bonhomme et pratiquement toute la cour céleste. Dans cette même fête, nous célébrons donc la bienheureuse Vierge Marie qui est revenue en la personne de Naé Nicole le 11 novembre. Nous célébrons la venue dans notre humanité du temple de l'Esprit-Saint, la date parfaite, le 13 novembre. Nous célébrons la naissance de la nouvelle Église, la pose des fondations de la nouvelle Église que notre Seigneur Sauveur Fou Jésus-Christ a réalisé dans la nuit du 17 au 18 novembre 2011 avec ceux qui étaient choisis comme apôtres à l'époque. Nous célébrons l'entrée dans la chair de Dieu Esprit-Saint 6 jours après la venue dans notre humanité de son temple, donc le 18 novembre. Et nous célébrons évidemment, le sacre pontifical de sa sainteté, le pape Christophe XVIII. C'est une nouvelle page de l'histoire qui est en train d'être écrite par d'abord Dieu Esprit-Saint avec le peuple d'Israël, le petit reste d'Israël. Jésus redescendu sur terre, sur la terre des humains, cohabiter avec la chair, les hommes, et tout faire comme eux. Ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile. Mais je suis encore là parce que je vous aime, je vous ai créé et je ne peux pas me lasser de vous. Lorsque vous restez du dehors de cette expérience, vous ne pouvez pas en parler. C'est comme si vous êtes dans une maison ici et que vous voulez parler de l'autre maison qui est à côté de vous alors que vous n'y êtes pas. Il y a des murs qui vous séparent. Il y a des murs qui vous séparent. Pour pouvoir parler d'une expérience, il faut être dans l'espace de résonance de cette expérience-là. Et donc, tous ceux qui parlent, pas oui dire de bonne main, ce n'est pas responsable de leur part. Il serait mieux qu'ils viennent dans ces champs d'expérience, confronter leur intelligence, leur raison avec ce qui se passe. Parce que nous avons tous, nous sommes tous, même ceux qui sont à Bonhomme, continuent d'expérimenter Dieu. La raison ne précède jamais la foi en Dieu. C'est la foi qui précède la raison. On va d'abord, on y croit, on se met à genoux et puis après, progressivement, nous comprenons pourquoi est-ce que nous sommes passés par telle étape, telle étape. Naé Nicole, c'est la Vierge Marie qui est revenue. Aussi, Marie, sur le pied de la croix, en confiant Jean à la Vierge Marie, c'est tout le genre humain
tous les hommes que Jésus-Christ confiait, évidemment, parce qu'il partait, confiait à sa mère. Donc cette mère est prise d'une grande peine de voir ses enfants aller en enfer, a dit à son époux, l'Esprit Saint, il n'est pas normal que mes enfants aient un enfer comme ça. Il faut que tu ailles dans le monde, finir avec Beelzeboul, qu'il faut voir pour qu'ils aillent en enfer. Donc ça a duré 13 siècles, pendant lesquels elle pleurait au ciel, elle venait donner, transmettre des messages de conversion sur la terre. Nous avons le message de Fatima, de Garabandal, de Kébéo, ainsi de suite. Nous avons de Medjugorje. Après ces pleurs-là, l'Esprit Saint a décidé eh bien, de venir dans l'humanité pour finir avec le règne de Beelzeboul et de tous ses suppôts, en l'occurrence la sorcellerie, pour restaurer son Église et faire l'unité de l'Église. Et donc que tous les hommes reviennent dans cette unité de l'Église. Donc c'est cette dame-là, cette maman céleste, qui est revenue à la personne eh bien, de Naé Nicole. Dès qu'elle ouvre la bouche pour parler, c'est la douceur, c'est la délicatesse. La profondeur de ces messages-là, c'est toute la Vierge Marie. Ensuite, nous avons la fête de la parfaite, c'est le temple de l'Esprit Saint. Ce temple-là, ce bébé qui avait été déposé à Bemeréquin, qu'un peul du nom de Parfait avait découvert du retour de pâturage avec ses bœufs. Les bœufs s'étaient attroupés autour de quelque chose, il allait voir, c'était un bébé. Et puisque dans leur culture, les enfants abandonnés étaient des enfants maudits, eh bien sa femme a dit, son épouse a dit, je ne veux pas qu'un enfant comme ça reste dans notre vie. Et donc ils ont été voir le délégué, le chef quartier, pour lui dire, ben, nous avons un enfant ici que nous voulons donner en adoption. Il y avait un couple d'instituteurs qui était à Bemeréquin, qui n'avait pas, dont la femme n'avait pas connu de maternité, et donc jusque-là, après 8 ans de mariage, donc qui a émis le besoin d'adopter cet enfant-là. Donc, Parfaite, c'est le temple de Dieu Esprit Saint. Et nous l'honorons, est-ce qualité. Nous l'honorons. Et ensuite, Fouro Jésus-Christ et son frère jumeau, le pape Christophe XVIII, évidemment, ça se passe de commentaires. Jali nous, maou y a si saint, maou tonne au pétan, et où me dire? Ah, soye, à quoi on s'en passe, il m'a épée, ah,
Au-delà de toutes les fêtes conventionnelles que nous connaissions pendant que nous étions de l'autre côté, c'est la seule fête véritablement de la très sainte Église de Jésus-Christ. Puisque c'est en cette fête-là, justement, que Fofo a posé les fondations de la nouvelle Église, la très sainte Église de Jésus-Christ. Donc, les Dagovis ont l'obligation, par reconnaissance, par devoir de reconnaissance, de venir à cette fête, honorer toute la cour céleste. C'est en cette fête que nous honorons tous les acteurs de la mission de Bonamé pour notre salut, pour le salut de toute l'humanité, pour la renaissance de l'humanité et la restauration de l'Église. C'est en cette fête-là que nous célébrons toutes ces personnes-là.